C'est un livre qui s'appelle « C'est un beau jour pour ne pas mourir », sous-titré « 365 poèmes sous la main ». C'est un gros recueil de petits poèmes de tous les jours, pour tous les jours. J'aimais l'idée d'une accumulation, d'un gros recueil de petites choses à grignoter à volonté. Voilà. Je pense que la poésie, ça se grignote, on peut pas lire un recueil en entier. Et comme j'ai un usage, un rapport à la poésie qui est assez quotidien, dans la forme comme dans la pratique, j'essaie d'écrire tous les jours et ce sont souvent des poèmes qui se rapprochent du quotidien, qui peuvent être narratifs, qui ont plusieurs couleurs, mais en tout cas où l'anodin et le quotidien sont très présents. Je trouvais intéressant de faire un recueil pour tous les jours et pour chaque jour. Donc on le grignote comme on veut. On peut le lire le soir, le matin, on peut lire 300 pages ou une page. Mais cette dimension d'éphéméride et de poésie qui nous accompagne tout au long de l'année, tout au long de nos états et de nos émotions, je trouvais ça intéressant et rigolo. Moi, j'aime me situer entre les deux, en fait. C'est ça qui est... J'ai trouvé une place entre les cases. C'est-à-dire que j'aime écrire des poèmes qui racontent des histoires. Et j'aime me servir de la langue poétique et de ce que la poésie m'a appris dans le rythme. Je joue entre les cases, entre les chaises, entre les genres. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est là où je suis bien. Donc j'aime écrire des poèmes qui peuvent être narratifs, qui peuvent raconter des histoires. Je pense que la poésie peut servir à raconter des histoires autrement. Moi, elle m'a appris à écrire la poésie, elle a nettoyé mon écriture. Pendant 10 ans, je n'ai fait qu'écrire de la poésie et ça a changé ma façon d'écrire. Mais j'ai jamais renoncé à écrire des histoires. Donc après, les objets varient suivant la motivation que j'ai, suivant l'envie de développer, suivant le sujet. J'ai un rapport à la poésie qui est plus quotidien, c'est un peu ma gymnastique de tous les jours. Et les romans, ça dépend de thèmes que j'ai envie de développer dans le temps. Il y a un autre rapport au dialogue, au personnage, enfin, il y a d'autres enjeux. Mais ma langue est la même en poésie comme dans le roman. C'est ce qui m'intéresse, c'est la place que j'ai trouvée en tout cas.